Tout d'abord, il y a ces êtres qui sont faits de lumière. La tendresse, l'amour inconditionnel d'une mère. Il y a les seuls rêves que l'on touche sans devoir perdre une aile. Comme les secrets que l'on trouve dans les appels du ciel. Il y a ces liens inexplicables qui peuvent naître entre deux âmes. Lorsque le rationnel se tait et que le feu parle. Lorsque les mots ne servent plus, il n'y a plus besoin du son. Que tout est évident, c'est qu'un silence en dira bien plus long. Il y a ces brassages entre les cultures. Chaque jour qui passe, le métissage creuse un passage vers le futur. Ces pauses qui se prennent pour laisser la peau agir. Ou ces causes pour lesquelles on serait prêt à sauter la vie. Ces inspirations étranges qui nous viennent de l'on ne sait pas où. Mais grâce auxquelles on voit un peu plus clair tout à coup. Rien de tout ça n'est chiffrable, aucun de ces biens ne sont en vente. C'est le genre de ceux qui ne se retirent pas sur un compte en banque. Pour le peu de temps qu'il me reste à l'échéancier, j'épongerai mes têtes avec le ciel comme seul créancier. Tu sais, l'excès d'argent vient de gloire, ça fait une guerre, je les ai proscrites. Je veux apprendre à être riche même avec des poches vides. Pour le peu de temps qu'il me reste à l'échéancier, j'épongerai mes têtes avec le ciel comme seul créancier. Sur les fondements de ma richesse, je mettrai d'autres mots. J'ai commis trop de fautes, je veux être riche d'autres choses. Des poches vides sortent vite des crocs de faux. Être riche comme chose. Je définirai ma richesse en d'autres mots. Libre d'autres choses. Que j'apprenne à faire briller des cristaux de peau. Être riche comme riche d'autres choses. C'est qu'il faut que je me sauve, j'ai commis trop. Tout l'or du monde ne t'apportera jamais la passion d'un tel. Quelle somme d'argent pourrait t'acheter un pardon sincère? Quelle forme de banque pourrait stocker l'évasion d'un rêve? Et franchement, de façon, t'évaluerais tout ça combien, frère? Hein, cherche. Que l'on m'apporte un créneau fiable. Ce genre de richesse-là n'a pas de frontières fixées à l'avance et n'est pas négociable. Prix sans faire appel au diable. Mais outre le bonheur de l'homme, elle ferait facilement le ciment de la paix sociale. Souvent, je me plais à croire qu'un nouveau monde adviendra. Le jour où l'homme pourra comprendre qu'il n'est que peu de choses, puisque la mort et le seul salaire qu'on obtiendra. D'ici là autant s'arrêter de faire que dans les jeux de rôle. Cette tristesse qui n'aurait pas de couleur. Pas de peuple, pas de classe et pas d'aval couleuvre. On a déjà la base de mille preuves pour affirmer que l'argent ne fait pas le bonheur des gens. Que seules les forces de l'esprit peuvent. Pour le peu de temps qu'il me reste à l'échéancier, j'épongerai mes têtes avec le ciel comme seul créancier. Tu sais, l'excès d'argent vient de gloire, ça fait une guerre, je les ai proscrites. Je veux apprendre à être riche même avec des poches vides. Pour le peu de temps qu'il me reste à l'échéancier, j'épongerai mes têtes avec le ciel comme seul créancier. Sur les fondements de ma richesse, je mettrai d'autres mots. J'ai commis trop de fautes, je veux être riche d'autre chose. La gloire, le nom, le cash, le trône. C'est ce qu'ils veulent tous autant qu'ils peuvent. Ce ne sont que des mirages, des ombres que chasse l'homme. Mais la plupart se sentent si seuls. Moi, je veux vivre autrement. D'autres choses, libre de manque, du manque. Être riche d'autres forces, riche d'autres choses. Des poches vides sortent vite des crocs de fauves. J'ai commis trop de fautes. Je définirai ma richesse en d'autres mots. Riche d'autres choses. Que j'apprenne à faire briller des cristaux de pauvres. Riche d'autres choses, c'est qu'il faut que je me sauve. J'ai commis trop de fautes.